Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le second épisode de ma première saison sur Pick All Blocks. Allez, on y retourne. C'est parti. Pick All Blocks saison 1. Attendez, je recale l'écran. Parce que ça penche un peu, c'est mieux. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé en train de couper du bois, parce qu'on avait trouvé un super endroit pour s'installer. Plat et tout, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de terraformation. C'était plutôt tranquille. Et en plus de ça, je crois qu'on avait trouvé un temple du désert. Oui, là-bas. Alors, ce que je vous propose, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, je pense qu'on va aller se le farcir. Hop, je prends un peu tout ça. On va aller se le farcir. C'est pas quelque chose de trop dur, les temples du désert, de toute façon. Enfin, j'ai souvenir, à moins que ça ait été bidouillé depuis le temps. Je crois pas que ce soit quelque chose de très difficile à faire. Il n'y a pas beaucoup de mobs. C'est pas ultra dur. On va bien voir. Alors, par où qu'on rentre? Y a pas un truc pour descendre? Ah, voilà. Alors, surtout ne pas péter ce bloc, si j'ai le souvenir. Alors, on va essayer de passer par là. Hop. Est-ce que j'aurai assez de pioche? Ça, c'est la question. On va dire que oui. Hop. On descend tout doucement. Éviter de faire tomber le moindre bloc. Attendez, je vois plus rien, et vous non plus, je suppose. Hop. Oh la vache, c'est pas passé loin là. Alors. Aïe, on y est. Ouh, ça c'est cool ça. Bon, là ça à la limite, c'est juste pour le... Pour le musée, il y a pas mal de lingots d'or, c'est cool, ça m'évitera d'avoir le farmer. Oula, par contre ce coffre là c'est un peu de la merde. Celui-là, oh de l'émeraude, c'est cool, des lingots d'or de la chien, ok. Et celui-là, oh non, oh vous êtes sérieux, oh magnifique. Parce que je me demandais où est-ce que j'allais bien pouvoir trouver cette saloperie d'armure. Ouais, bah j'ai trouvé. Bon allez, je me tire, j'ai absolument pas envie de me prendre de la TNT sur la figure. Aïe. Ah non, ça c'est du... Ah d'accord. Vous savez quoi? Au moins on n'aura pas à chercher ce bloc là non plus. Alors maintenant faut que je retrouve à la sortie. Je crois que c'était par là. Oui. Coucou, je suis sorti. Alors, bah c'est cool, c'est super cool. Du coup j'ai énormément d'or. J'ai minerai de feu à faire cuire. Alors, j'étais parti où? Ah oui, c'était là-bas. Toc. On va revenir. Voilà. Donc, on va finir de déblayer un peu le terrain. Je pense que je vais faire ça au fur et à mesure, de toute façon. Je vais pas vous saouler trop. Après, je pense que là, on va essayer de se trouver un endroit où faire un campement de fortune, on va dire. Je remets l'écran encore parce que je voyais pas grand chose. Hop. Bon, je sais c'est pas très drôle, mais bon, c'est indispensable, en tout cas au tout début. Puis comme ça, je suis une sacrée réserve de bois. Hop. Ah, il y a celui-là qui gêne un peu. Allez, non. Je suis trop pressé. Voilà. Alors là, il faut qu'on se trouve un endroit à peu près potable où s'établir. Faudra que je retrouve l'endroit où il y avait les super crevasses de la mort qui tue là. C'était hyper intéressant. Même si je pense que ça va être hyper casse-gueule. Là, il y a des moutons. Petit lac. Qui a l'air d'avoir encore un accès à une grotte, si je rêve pas. Ouais. Encore. C'est un vrai grouillère cette map. Alors,
Par où je peux aller? Alors, par ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Le désert, ça m'intéresse pas plus que ça. Maintenant que j'ai fait le temple du désert. Alors, à moins qu'il y ait un village de PNJ. S'il y a un village, ça peut être cool. Alors, ici, il y a quoi? Ben là, je viens de revenir de là où je viens. Bon. J'ai juste un petit peu fait le tour. Ok, bon. Vous savez quoi, on va revenir à la zone plate. Là, j'aime bien, c'est à moitié cramé à cause de ça. On va revenir là-bas et on va essayer de se faire un petit abri, je pense. Ouais, on va faire ça. Allez. Je crois que c'était par là. Faudrait que j'essaie de me repérer. Ça a pas l'air bien grand en fait, hein. Au final, ça a pas l'air très très grand comme zone. Alors, imaginons un peu. Ici, nous mettrons le musée. Sur toute cette partie-là. Que j'entoure avec mon pointeur. Donc je pense qu'ici, on pourra dresser notre maison. Et il y a encore une grotte à ce niveau-là. Sérieux quoi. Ah, pour inonder. Oh mais non, c'est que dalle. Oh, c'est que dalle. On va prendre un peu de charbon. C'est toujours bon, charbon. Alors, on va se faire notre petit chez nous. Enfin, le début de notre petit chez nous. Sauf qu'il est l'heure d'aller se coucher. Dans ce cas-là, on va faire ça rapidement. On va faire ça super rapidement. J'ai pas envie de traîner trop dehors. On va faire l'abri de fortune de tous les... De tous les débutants, sur Minecraft. Celui avec que du bois. Hop. Je vais voir même faire un poil trop grand. Tac. Zut, faut que j'en fasse un peu plus. Ouais, j'en ai fait carrément beaucoup là. On peut poser la torche là. Hop, oui. J'arrête de faire le kéké dehors la nuit. Toc, j'ai pas une table de craft dans mon inventaire. Si. Une porte, vite. J'aime pas balader comme ça la nuit là. Oh, et puis je pose les blocs n'importe comment maintenant. Hop. Oula. Poser un peu les blocs n'importe comment à cause du lag. Ça y est. Bon, voilà. Là, on est tranquille. L'abri de fortune, hein, je vous dis. Ça sera pas du tout comme ça, la maison. Limite, je vais tout détruire le lendemain matin pour tout refaire. Alors, du coup, on va pouvoir se poser un petit coup, là. Hop. On va poser le fourneau. Toc, on va mettre tout ça à cuire. Et on va se faire un coffre. Parce que c'est pas pour dire, mais là, je commence à être un peu plein avec pas mal de merdouilles. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux poser? Le cuir, ça me sert à pas grand chose. Douche sur cette laine orange. Ah oui, le temple. Alors, la laine orange, ok, on va pouvoir poser. Les différents grès on peut poser. Le lit je vais poser ici par contre. Toc, ici ça m'a l'air bien sombre. Envie qu'un mob pop. Alors ici on peut poser ça. Ça parce qu'au final j'ai énormément de planches sur moi, ça doit aller. La laine blanche ok, la laine gris clair ok. Les deux roses ok, la pousse ok. Les graines ok.
L'os. Ah bah vous savez quoi? Avec les os et les graines, je vais me faire une petite culture rapidement, histoire de faire pousser des fleurs. Des fleurs. Des plantes. Comme ça, j'aurai pas trop besoin de nourriture. On va se faire ça. Enfin, ça sera pour demain de toute façon. On fait un saut. Bon, il va falloir un peu plus de tiges que ça. Hop, hop. Non, ça c'est une hache. D'ailleurs, j'en avoir besoin d'une hache. Je vais refaire une pioche aussi. Voilà. Ouh, j'ai pas envie de sortir. Et quoi là-bas? Je crois qu'il y a des squelettes. Ouais, c'est ça. Donc, ben, je pense qu'on va pouvoir dormir maintenant. Allons-y. Ça y est. Alors, on va pouvoir se faire... Pendant qu'il crame. C'est bon. Cramer bien tranquillement tout seul. Ah, cool, une pomme. Alors, on va pouvoir se faire... Elle est où, Maou? Voilà. Ben, un petit jardin qu'on va mettre par ici. Oh, creeper. T'approches pas, Zizivert. Non mais. Voilà, ça y est. Il a peut-être lâché du soufre. Il semblerait que non. Alors, on va faire notre petit jardin ici, je pense. Voilà. Et oh, voilà. Voilà. Et voilà. Évidemment, j'ai reposé les graines. Elles sont ici. Voilà, hop, hop. Oui, je dis beaucoup, voilà. Quelques graines. On va faire... Et j'ai reposé des os. On va faire de la poudre d'os. Décidément, on va en garder quelques-uns. Je pense qu'on va en garder... Voilà, on va regarder une dizaine. Avec ces 9 os, on fait de la poudre d'os. Alors, je sais plus. Ça monte au maximum? Je sais plus du tout. Je crois pas. Hein. Ouais, non. Ça monte pas au maximum. Hop. Il va falloir que je repose des graines. Comme ça, on va avoir un petit paquet d'un coup, là. Toc, voilà. Putain, celui-là il est pas au bout. Celui-là non plus. Bon, c'est pas grave. On va faire 100. Hop. Voilà. Il m'en reste 3. Bon, vous savez quoi, on va garder les 3. Tiens, j'avais si peu de... Faut croire que oui. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que j'ai de la dirt sur moi? J'ai de la dirt. Hop, on va boucher un petit peu par ici parce que je vais essayer de faire mes coins de ma maison par là. Chut. Ok, d'accord. Il y avait peut-être la dirt que j'arrivais pas à prendre là-bas. Parce que j'ai déjà prise. Alors, ah, voilà. T'es cuite toi. Enfin, t'es fini. Ouais. Hop, des graines. Voilà, bah, comme ça, on a une petite culture qui a bien démarré. C'est cool. Donc, mon chez-moi. Je vais faire le chez-moi en priorité, de toute façon. Hein. Quitte à l'agrandir un peu plus tard. Un coin ici. Quoi, déjà?
Oh, ça fait déjà un quart d'heure. Je vous garde un petit peu quand même. Allez, une minute ou deux. On va poser les bases de la maison. Hop. On va faire un truc peut-être pas trop cubique quand même. Ça va être à l'intérieur. L'autre coin. Bon, ça va être un peu moche là du coup. Voilà. Ici. Et à quel niveau il est le... Ici. Ok. Alors je pose toujours mes coins de maison comme ça. Pour faire un truc comme ceci. Hop. Voilà. Non. Il manque encore un bloc. Voilà. Tac. Alors ici, évidemment, il y a les blocs de bois. Alors ça va faire un peu moche, de toute façon, au tout début. C'est pas très joli. Surtout vu que j'ai une maison au beau milieu, en fait. Voilà. Bon, ça sera les fondations, on va dire, de mon chez-moi. Ok, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, sur les réseaux sociaux, tout ça. N'hésitez pas à venir voir les restes de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!